Alors, les paladins déchus, ils sont Certainement. par là. Et je crois même qu'ils sont en fâcheuse posture, en train de se battre. Les hommes d'honneur sont rares. Allez. Oh, j'aime pas ça. Ils se battent contre Parlez, des contrebandiers, sans aucun doute. non. Oui. Bon, on va les aider. Moi, j'aimerais bien... C'est ça, hein, le contrebandier? Pas de pitié pour... C'est mort. J'aime pas trop le fait que... Oui, oui, pleurez, je suis pas Manon. Vous allez mourir. Oui. Tais-moi ce gars-là. Pour la mort et la gloire immortelle. Que nos exploits soient comptés à travers les âges. Et voilà le travail. Ce sera fait. Les hommes d'honneur sont rares. Donc ils sont contents qu'on les ait aidés. On va essayer de les infiltrer. Sous les ordres d'Anarg, serais-tu un... Ouais, on est d'accord. Et donc il est dit que lorsqu'Anard a quitté l'ordre, les paladins lui ont volé sa coupe. Elle se trouve dans l'ordre du cœur radieux. Ouais, ouais, on va te la ramener ta coupe. Et tu verras qu'on peut intégrer ton groupe. Ce moineau est prêt à s'envoler, dès que tu en donneras l'ordre, bien sûr. Bon, ce serait bien. Bon, je suppose qu'ils ont rien sur eux. Ce serait bien que leur sort de... Oh ! Ils n'ont pas rien sur eux. L'enchevêtrement cesse. C'est un poil pénible. Parlez. On n'a rien à vous cacher. Certainement. Il n'y a que Aerdalis qui s'en sort bien en histoire. Ah, Edwin est coincé. Ok. Donc on va aller lui chercher sa coupe. Il va falloir négocier. Donc retour au district du temple. Comme je le disais, c'est une quête où il y a beaucoup d'allers-retours. Sans aucun doute. Hop. Allez les petits gars. C'est embêtant que Kaya n'ait plus de peau de pierre. Très embêtant. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire
de quêtes très compliquées. Mais même ça, hein, ça peut être compliqué, hein. J'attends vos instructions. Alors, on va demander à récupérer la coupe d'Anar. Salutations. Alors, pour leur prouver notre loyauté, les paladins déchus nous ont demandé un calice de grande valeur. Le calice d'Anargue. Impossible de vous le confier. Bon, qu'est-ce qu'il a, ton calice? C'est un symbole. Mais oui, on te le rapportera. Oh, allez. Donc il nous le donne. Ça m'étonne que j'ai encore assez de place dans mon inventaire. Hop. Et puis on va retourner voir les paladins. Pour à nouveau tenter de les infiltrer. Autant dire que ça va pas se passer comme ça. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Hop. Je suis d'accord. Mais oui, t'es d'accord, allez. Tu sois d'accord ou pas, ça change rien. Je ne m'étais plus autant amusé depuis que les Cormyriens ont fait flamber le cours du navet durant la famine de l'oignon. Allez, retour au district du pont. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Oh, tirez-vous. Certainement. Bon. Je ne m'étais plus autant amusé depuis que les Cormyriens ont fait flamber le cours du navet durant la famine de l'oignon. Alors, on va se positionner de manière stratégique. Il y a intérêt que je sois bien Qu'est-ce payé pour oui, ça. Ce sera fait. Jalkalès, la confiance et l'apanage des... Ce moineau est prêt. Ardalis un peu en retrait. Oui, bon, très bien. Oui, 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 c'est oui. C'est une tactique bien connue. Oui, Abby. Je vais peut-être balancer quelques squelettes. Le destin nous appelle. Et puis peut-être ça aussi, Kitix. Allons-y. Alors, Reynald de Châtillon, il est ici. Les hommes d'honneur sont rares. Te voilà de retour. Ta mission a-t-elle été un succès? Eh ouais, j'ai la coupe d'Anargue. Vraiment, je n'ose y croire. Vous êtes très ingénieux. Alors on gagne un peu d'expérience et Anargue débarque. C'est à quel sujet? Il se téléporte visiblement au milieu du groupe. Alors vous souhaitez vous joindre à nous? Ouais, ouais, ouais. Vous mentez. J'ai toujours des sources dans l'ordre et je sais la tâche que Ryan Troll vous a demandé d'effectuer. Oh. Et donc Reynald s'aperçoit qu'il a été trahi et tout le monde devient hostile. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? Eh ben, je veux que tu prennes une potion. Oui. Toi aussi. Alors, ma petite araignée, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me balancer une toile? Je suis aussi prêt qu'une jeune fille en fleurs, mon toi, ami. Toi, tu vas utiliser ta harpe. Qu'est-ce vous, que c'est? Vous allez latter ça? Non, toi, tu vas prendre ta potion, hein, on a dit. Parlez. Ne change pas d'ordre. Ustan Zadost. Et en principe, j'ai le droit de lancer immobilisation de personnes, non? Puis vous, vous quoi allez, encore vous allez flécher. Oui.
Sans aucun doute. Alors... Il y a un paladin qui m'embête. Mâche est prête. J'en ai saigné pour moins que ça. Les autres, vous avez ce gars-là. Alors faut pas croire, hein, ils sont... Yann Yansen, pour vous servir. Tiens, boum, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait. Tiens, toi tu rebalances une immobilisation des personnes pendant que tu es. Ah bah t'en as pu. Essaye de dominer ce mec-là. Jusqu'à la fin, nous nous battrons. On dirait qu'ils se tapent entre eux. Ouh, elle est gravement blessée. On va essayer. Ah, peut-être pas lui. Peut-être celui qui est devant. Ça n'a pas marché. La prochaine fois. Parlez. Calme, hein. Ils font mal, hein. Ton verre est sur la volonté. Ok. J'attends les ordres. Les ordres, c'est de buter les paladins au plus vite. Ok. Oui. On va tuer celui-là qui a l'air. Qu'est-ce que c'est? Encore libre de ses mouvements. Qui c'est qui a tué Anarg? Oh, c'est Reynald de Châtillon qui a tué Anarg. Cette arme n'est donc qu'un jouet. Wow. Sans attendre, n'est-ce pas? Bonne tactique. Parlez. Qui me prive de l'expérience que pouvait apporter ce paladin. Il devait bien valoir 2000 XP, hein. Oh, sûrement. Si Reynald vous s'inclut, Anarg, il devait valoir pas mal. L'oubli. Bah tant pis. Oui. C'est ça l'inconvénient du sort de... Certainement. De fusion. Qu'est-ce que c'est? C'est que... Sans bah, aucun doute. C'est ballot. Tiens, des épées, ça se vend aussi. Je vais les revendre. J'ai plus beaucoup de sous, là, 2000. Une jolie potion de force, ça c'est pas mal. On a récupéré la coupe d'Anarg. Hein. Bah, je sais pas d'ailleurs si on la perd, ne serait-ce qu'une seconde. En théorie, il est censé nous la prendre. Il y a un peu de matos à récupérer. Ah. Bien cher, mais ça se revendra quand même. Je regarde quand même une sur moi. Ça, ça doit être un arg. C'est un casque magique, ça? Non.
Une hallebarde de maître. Allez, hop. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Parlez. On n'est pas trop mal sorti. Ah, la force vitale d'une ville. J'attends vos instructions. Son flux et son reflux sont-elles la marée du désir ? Ça me plaît pas du tout. On retourne au temple. Je suis d'accord. On refait tout le chemin inverse. Ça, c'est un peu chiant de... ne pas pouvoir choisir là où on arrive. Moi, je préférerais revenir ici. J'aurais plus qu'à rentrer par là. Mais non. Bon, 18h. Ça a permis une petite quête qui a permis de passer l'après-midi. On va récupérer les gants de soins, ça c'est pas mal. Je suis à votre service. Ah tiens, la petite scène dont je parlais tout à l'heure. Garrick. Damirlana, oh belle Damirlana. Bon bref, Garrick, c'est rien. Il est pas doué, hein, c'est pas un bombarde. Et donc Cirando, un petit gnome derrière, est en train de lui souffler les belles phrases. Comme Cyrano de Bergerac. Laissez-moi. Maudits insectes. Et on voit qu'il comprend même pas ce qu'il doit répéter. Ah, Garrick, je l'ai jamais aimé ce personnage. Non seulement c'est pas un bombard, mais en plus il est niais. Et il en fait encore la preuve. Là. Ce sera fait. Allez. Salutations. Nous avons... anéanti les paladins déchus. Oh là 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 là, 17500 points d'expérience de quête et Viconia qui passe à niveau. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ben, c'est pas compliqué, on va retourner au stand pour se soigner et puis on va arrêter la session. Certainement. La victoire nous appartient, tu le sais. Niveau 10. Oh, ça c'est bon, elle gagne les sorts de niveau 6. Et parmi les sorts de niveau 6, il y a un sort hyper intéressant, c'est le serviteur invisible. Non, serviteur aérien, pardon. Oh, les squelettes, ça peut toujours servir. Ah, peut-être qu'une zone d'air pur, ça peut être sympa aussi. Et puis au niveau 1, je sais pas, qu'est-ce que je peux utiliser. Bien, protection contre le mal. Le destin n'attend pas. Oui. Sans aucun doute. Bon, je vais arrêter là la session. Et la prochaine fois, on ira prendre du repos. Et puis, on fera les quêtes
Les esclavagistes à la couronne de cuivre. Allez, bye bye.